Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un troisième épisode sur Watch Dogs. Troisième épisode qui j'espère vous plaira autant que les autres. Donc nous étions quittés suite à une première mission d'infiltration au sein du CityOS et on avait eu énormément de mal, enfin surtout moi, j'ai eu énormément de mal à faire de l'infiltration. J'essayais d'y aller un peu en mode bourrin, on va dire, et en fait il fallait y aller un petit peu plus subtilement. Je pense qu'on aurait pu aller encore un peu plus subtilement que ça, et bon, ça s'est fini quand même en bain de sang, hein, malgré tout. Et puis donc on a appris qu'on pouvait faire des missions avec des contrats en ligne sur une application que l'on a sur le smartphone, mais aussi on peut débloquer des missions via les serveurs d'Ubisoft, mais comme bon, après je pense que c'est des choses payantes, des DLC ou des choses comme ça, enfin bref, j'ai pas trop cherché à savoir ce que c'était, j'ai dit certainement des grosses bêtises. En attendant, on va reprendre le cours de notre mission avec la mission principale qui était de rejoindre ce point là, qui était une mission qui avait été donnée par Jordi, et cette mission on va la démarrer de suite. Donc il faut que j'aille chercher un gars. Les forces de police de Chicago sont parvenues à déjouer une effraction nocturne dans une usine. L'un des suspects a été tué sur place tandis qu'un autre est en fuite. On craint des perturbations à Parker Square où la police a installé des barricades. On a le feu vert pour un scan CityOS. On cherche le suspect. Alors, la poursuite est possible en trois phases distinctes. Contrôle, éviter les cercles de scan CityOS. Poursuite, semer les policiers en sortant de leur champ de vision. Et sortez de la zone de recherche, couleur grise, restez caché qu'à la fin du chrono. Ok. Ça se rapproche. Désolé. On l'a perdu, on est tombé.
Bon, ma voiture elle a un peu reçu. Mais au moins on aura accompli la mission. Enfin, il me semble qu'elle a accompli. Ah, j'ai pas suivi là. Faut que je pirate, mais pirater quoi? On va aller récupérer notre pognon. Durement gagné. Mais par contre, j'ai pas compris cette histoire de piratage là. Peut-être que je pirate cette banque, mais par contre aux horaires d'ouverture, parce que là on est la nuit. Par contre, je sais pas combien de temps il va faire jour.
Et on sait pas quelle heure il est non plus. Eh ben. Non, c'est pas terrible. Mais non, ce n'est pas la panique, c'est rien. Bon, je suis bien embêté là, moi, parce que tout ça, ça fait pas avancer les choses. Je suis devant la banque. Et j'ai l'impression que j'ai une mission à faire ici. Que comme il fait nuit. Elle a bien reçu notre voiture quand même. Ça c'est de la bagnole. Chevrolet Camaro. Tranquille. Ah merde. Un corps a été retrouvé à South Central ce matin. Nos sources s'accordent à dire qu'il s'agit d'un règlement de compte. La victime est connue de la police et soupçonnée d'avoir participé à un récent braquage. On lui connaissait des liens avec le Chicago South Club, le célèbre syndicat du crime. J'ai vu qu'on pouvait aussi prendre le métro si on s'y essayait, ça peut être marrant. Si je te regarde comme ça, ça va, ça t'émoustille, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? Non. Hey. Eastbound train arriving shortly.
des recherchés et développeurs de logiciels. Il y a quand même des choses que je comprends pas bien. Mais non, tout va bien. Non, 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 non. Oui. Non, 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 non. Oui, pourquoi? Je peux pas mourir. Je suis descendu, Badan. Non, 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 non. Je peux pas mourir. Mais quand? Non. Non, 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 non. Où ça? C'est grave? Oh mon dieu, non. Ça dit quoi? Alors, les effets secondaires, bouche sèche, maux de tête, 2-3 bidules au foie. Ah, et on peut crever aussi. Très drôle. Ah, mais je déconne pas, c'est marqué. T'as vraiment besoin de cette merde? C'est quoi le problème en fait? On s'en fout, oh. Oui, forcément, hein, quand tu sautes de là-haut, ça fait mal. Pardon. Voilà, c'est le calibre au-dessus, hein. Donc là on a un gros SUV. C'est des motos que j'ai pas encore assez. Et ici. Merci. Où on va, mais on y va. Oh merde. Et là, le mec se lève et s'en sort sans aucun bobo. Normal, non? On peut prendre des bateaux aussi. Alors aujourd'hui, ce sera un épisode de véhicules. Hein. On a testé les camions. Enfin, les camions, les 4x4. Et là on va tester les bateaux. Puisqu'on va... Faut qu'on attende le jour, hein, je suis obligé de meubler. Pour pouvoir faire la suite de ma mission, j'ai l'impression. Ah bah, c'est ce qui s'appelle échouer lamentablement. Il n'y a pas des gros hors-bord, des chouettes bateaux aussi, hein. Celui-là il m'a l'air pas mal celui-là.
Et voilà comment faire un autre fail en se foutant à la baille pas en haut. On voit que le joueur commence à se lever petit à petit. Oh là! Oh la vieille blague! C'est sympa le bateau quand même. Monsieur Rochemort s'est engagé à résoudre les perturbations des services du CTOS. Le maire accuse FedSec, un groupe de pirates informatiques, d'avoir empoisonné le quotidien des citoyens. Il promet qu'il traînera les meneurs du groupe devant la justice. Petite balade en bateau, n'est-ce pas? Oh, il y a un gros pétrolier là-bas, délire. Ah ouais, si. On peut le conduire celui-là aussi. Ça peut être marrant. Hein. On doit pas pouvoir y monter dessus, c'est possible. Ouais, le jour veut pas se lever, hein, ça devient chiant là. J'ai touché un truc mais j'ai pas eu quoi.
Nous sommes à 1 km de notre point de destination, ça va être sympathique tout ça. On va essayer de garer notre bateau un peu comme il faut quand même. Que de cris. Normal, on descend du bateau, on se fout à la baille. Tout à fait normal, me direz-vous. Mais non, pas de panique. Bon, faut que j'arrive à reprendre ce pont pour traverser. On va y arriver. En passant par là. Allez, en avant. Ce qui est sûr avec cette voiture-là, c'est... Excusez-moi, un petit bâillement, tranquillement. C'est qu'on va pas faire d'excès de vitesse. Putain de merde. Mais non. Bon. Je te jure, les gens d'ici, c'est des chauffards. Et crois-moi, je m'en prie. Pareil, celui-là. Ça, c'est vrai. Là où ils ont tout compris, c'est Amsterdam. Il paraît qu'il y a des vélos partout. Ça doit être super sympa. Moi, je prends que le métro. C'est assez ennuyeux de ne pas pouvoir avancer. Je vais faire une petite ellipse et puis je reviens dès que j'ai du nouveau.